Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Achara, bonsoir Dramo. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu Disney. Alors oui, dit comme ça paraît bizarre, surtout venant de moi. Mais c'est un jeu que j'avais à une époque lointaine. Alors, il n'y a pas beaucoup de son, donc je vais le monter. Enfin, j'attends d'avoir le menu parce que on sait jamais. Et du coup, non. Ok, ça a l'air d'aller. J'ai quand même peut-être monté d'un cran le son, mais vraiment d'un cran. Pas plus, pas moins. Un seul. Oula. Voilà. En plus, on est à 9, c'est génial. Du coup, Tarzan. Et il faut savoir que ce jeu, en fait, je me souviens de pas grand-chose du jeu. Donc, j'ai aucune attente. Je sais que c'est un jeu de plateforme. Je crois qu'on joue le singe, c'est Cheetah ou un truc du genre, hein, je sais pas quoi. Mais c'est tout. C'est tout ce que je sais de Tarzan, le jeu. Alors évidemment, les scènes comme ça, on va les passer parce que problème de droit, évidemment, hein, on ne peut pas streamer tranquillement des jeux Disney parce qu'à chaque fois, il y a des séquences. Et ces séquences, c'est des séquences de films. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder les films. Du coup, on joue un personnage qui vit sur la Lune a priori, parce que la gravité ne l'affecte que très peu. Donc évidemment, ce personnage, bah, c'est Tarzan, hein. Et c'est un jeu de plateforme, somme toute classique. Genre, on chope des trucs. Les bananes, ce que c'est bon. Si tu perds tes forces, cherche quelques bananes pour reprendre de l'énergie. J'aime pas Disney, alors moi aussi. Et du coup, j'avais très peu de jeux Disney de toute façon. Attendez, je vais monter le son parce que on ne profite pas de cette superbe bande son. Peut-être monter un peu beaucoup, on verra. Non, ça va, c'est bon. Alors attends, ouais, c'est bon. Ah, ça va mieux, ok. Quand même la ramasser cette pièce, même si les collectibles, on peut l'en faire. Donc les fruits redonnent de la vie. Et c'est de la plateforme classique. Alors attendez parce que. T'as aimé Cash. Alors j'ai aimé Cash mais pas la partie. Oh bah tiens, on peut envoyer des fruits sur la gueule des ennemis. Bien. J'ai aimé Cash mais pas la partie Disney en fait. Chose que j'ai critiqué d'ailleurs sur Cash 3, évidemment. Il n'y a que le dernier quart qui est intéressant parce qu'il ne parle pas de Disney finalement. Ah non, mais c'est. Ok. Tu as vu ce papillon? Si tu as des ennuis et que tu n'as plus de force, tu peux revenir jusqu'au dernier papillon rencontré et recommencer. Ah, c'est un checkpoint quoi. On va arrêter de prendre les têtes de Cheetah là ou de. Wow! Ah non, ok, je pensais que c'était un truc qui rebondissait, mais pas du tout. Bah tiens, mange des fruits. Respecte-moi. Allez. Hop. Ah non, merde, putain, j'ai repris. Ah non, c'est Toc. Salut mon pote, regarde bien les caméléons. Leur technique d'escalade est démente. Lance-toi, fais un essai. Je suis pas un caméléon. Incroyable. Incroyable. Cet enfant des trucs de fou. Prends ça, toi, dégage. Alors, attendez. Il me semble qu'il y a un délire. Voilà, on peut changer de fruits. Genre, les fruits jaunes, c'est les classiques, mais il y en a d'autres. Et il y a des lettres aussi. Oula. Oh, l'esquive. Bâtard. Prends ça dans ton cul. Moi non plus, je suis pas trop fan. Cet enfant de Dieu. Pas ce que je dis. Et yes. Et banane. Alors évidemment là on fait attention à ne pas prendre la tête de Toc qui est là juste pour nous dire hé hey, lol, il y a des lettres. Faut les ramasser. Évidemment, on s'en bat les couilles de ses conseils. Alors attendez, là je vais essayer de faire un truc qu'on ne voit qu'en e-sport. Ça. Oups. Allez. Voilà. Vous me demandez, hein, je donne des conseils.
sur n'importe quel jeu. Hop, là on fait attention de ne pas prendre la tête de Toc. Oula. Tiens, chais. Il est deg. Ah, ça va mieux. Du coup, oula. Du coup, ouais, Tarzan, un jeu dont je me souviens pas grand chose. Je crois qu'il y a des moments où on... De surf sur... Des moments de surf sur des branches. Mais je ne saurais pas dire si c'est vrai. De toute façon, le jeu, on va pas le faire. Oh, merde, putain. Waouh, Tarzan, t'as vu dans l'arbre? Pas mal, hein? Et cette grimper, ça devrait pas te poser de problème. Oui, mais en même temps, s'il y a que un arbre devant moi, je suis obligé de monter. En ce moment, il y a des championnats du monde de speedrun, je sais pas quoi. Mais non, mais n'importe quoi, c'est l'AGDQ. C'est pas du tout un championnat, c'est une œuvre caritative. Contre. Généralement, c'est le cancer. Contraint les joueurs de League of Legends, MDR. Ah, un dessin de Jane. Salut FX. Mon niveau de surf est si fou. Ah, donc je ne suis pas fou, il y a bien un niveau de surf. Alors, est-ce que je peux. Alors, je peux me tenir la tête, c'est génial. Tiens, prends ça dans ton cul. Ah, ça va mieux. Bah, je me soigne parce que j'étais full live, donc on sait jamais. Oh, c'est bon, j'ai gagné une vie. Génial. T'as joué à tout, toi. Bah après, en même temps, c'est la génération qui veut ça, j'ai envie de te dire. On sent ton cul. Oh putain, genre. Comme par hasard, je retombe sur un animal. Prends ça. Respecte-moi. Et il devient papillon. Ah, là, on peut monter dessus. Parfait. Yippie. Yaha. Pas envie de tout récupérer, c'est chiant. Merde. Prends ça. Putain, il y a la caméra qui a zoomé de ouf là, je suis obligé de reculer pour voir clair. Oh putain, l'esquive. Juste trop fort. Ouh. Voilà, ok, yes. Même si en vrai, je l'ai fait sur PC, mais c'était sur la DS avec la cartouche R4 ou M3, il y avait deux trucs sur DS. Moi, je vais la R4. Mary Poppins? Mais du coup, il me manque une lettre. Je suis Tarza. Ah non, Tarzan. Ok, j'ai chopé le N. Allez, yes, continuons. J'ai gagné un extrait de film. C'est génial parce qu'on ne pourra pas le regarder du coup. Niveau bonus, croisière dans la jungle. Ah, un niveau de glisse. Certainement un niveau nul. Pas abusé ce truc, Nintendo s'en foutait en plus. Pas vraiment. Ils ont down plein de sites de ROM. C'est juste que il était trop tard. T'as la vitesse. Ah merde, faut accélère parce que. Ah oui, faut les fruits, c'est les. Mais abruti. Ok, yes, si tu veux, va à gauche, c'est génial. Hop, esquive. Hop. Hop. Esquive. Non. Oh. Horrible. J'ai oublié un fruit orange. Violet.
Désolé, je suis pas daltonien, mais c'est tout comme, a priori. Putain, j'ai encore oublié un fruit. Aïe, 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 aïe. Ah bah non, c'est la fin, c'est bon. Demain, on commence nos projets de fin de formation. Je suis deg, les gens ne sont pas inscrits sur... Ah. Du coup, que fais-tu, FX? Ah, ça, je me souviens de ce menu archaïque. Mais l'avantage, c'est qu'on voit tous les chapitres. Du coup, on sait si on est proche de la fin ou pas. Ce qui est vachement pratique quand on est un streamer. Évidemment, là, pour ce jeu, ça ne servira à rien parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire 4 niveaux. 4, je pense. Je sais pas, on verra. Allez, let's play sur Tarzan. Et d'ailleurs, je remarque, parce qu'à chaque fois, je mets la date de sortie du jeu. Il y a eu tellement de jeux en 1999. Ça peut être utile. J'ai gagné un couteau. Yes, et je lance des fruits. Oula, oula, oula. Ah mais putain, mais... Mais nique ta mère. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. On dirait un adolescent qui fait une crise de nerfs. En mode... Maman, passe-moi ta carte de crédit, je veux acheter des V-Bucks. Ah non, titouan, hein. Voilà. Putain. Génial. 1999, c'était The Année. Oula. Ouais, plus ou moins. Il y a mon frère aussi qui est né en 99, donc c'était pas forcément The Année. Non, je déconne. Je déconne. Mais du coup, alors attendez. Là, j'ai besoin de lui. Visage tout. Dis, Tarzan, t'as vu ces lianes? Je te parie que si tu sautes avec un peu d'élan, t'arriveras à te balancer de liane en liane. Ok, super. Et tu peux pas me dire comment on se sert du couteau? Ah, voilà. Ridicule. Zéro de portée. Non, du coup... On va pas acheter de V-Bucks. Comme beaucoup de jeux de l'époque, hein. Dès qu'il y a des lianes, on peut se balancer. Comme disait un grand rappeur, balance, 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 hein. Évidemment. Alors que mon portable vibre. Mais prends ça! Prends ça, coup de couteau. Brr, brr. Aïe. Prends ça, bâtard. Oh là là, cette 3D impressionnante. Alors, bah, alors quoi? Alors, pas des bugs, mais une table de mixage et un micro. Je vois pas du tout de qui tu parles. Alors que... Ah non. Mon portable est ivre. Oh non, je connais ses charismes, pas du tout. On a peur du Hall of Fame de NBA. Oui, ouais, elle est vraie. Hein. Ah! Je suis mort parce qu'un oiseau m'a droppé une noix sur la gueule. Deg. Alors que j'aurais pu vous montrer... Putain, fils de pute. À quoi ça sert? Me taper comme un gogol, ça sert à ça. Et du coup, il me manque le T. Du coup, je m'appelle Arzan. Praise tout quand. Moi j'étais sûrement pas né. Alors t'étais né hein, quand le rappeur en question a fait la musique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un rappeur? Je ne pense pas. Ce n'est pas sa profession première en tout cas. Oh là là. Il se balance aux lianes comme Jaja. Ah. Oh là 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 là. C'est bon, je suis parti en speedrun. Bat les couilles des collectibles. Moi, je suis là pour vous montrer du gameplay. Regardez, hop. Vous êtes bien sur le stream de la GDQ. Hein. 2006, ah non, du coup, il était pas né, MDR. Ah, ça va mieux. Ah, dégage-toi, hop. Je l'ai. Mais lol, il a pas bougé de place. Yippie!
Yébé. Tiens, le petit animal là. On dirait une hyène, mais je vois pas ce qu'elle foutrait sur sur un arbre. Hop, le Z. Merde. Je m'appelle Arzan. Attendez, il y a une page à récupérer. Mais d'où? Mais vous arrêtez d'être naïf comme ça. D'habitude, c'est Dramo qui croit tout ce qu'on lui dit. Allez-y. Arrêtez vos conneries. Oh, attendez, je trouvais le passage secret. Ah, des bananes. Bon, de toute façon, je suis full life, en vrai, ça ne sert à rien, les bananes. Waouh. Oh, j'ai failli me prendre un singe sur la tête. Ah, voilà. Hop. 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 Avec ces caméras ignobles qui fait que tu sais pas vers où il faut se pencher à moins de connaître le niveau par cœur. Ah, comme là par exemple. Aïe. Oh, je me suis pris la branche. Allez. Et boum. Bon app, Achara. Ok. Bah finalement, je m'appelle Arz. Ce qui est beaucoup plus simple que Tarzan finalement. Bonne idée. Mieux vaut enregistrer deux fois plutôt qu'une. Ouais, ou juste une fois déjà. Par contre, Jen est dégueulasse là, hein. Je suis désolé. C'est chaud. Ah, je vois. Tu voudrais quitter? Oui. Vas-y. Je veux plus voir ta gueule, merci. Et c'est parti pour à tout crin. Bon là, pour l'instant, on joue... J'ai dû me débarrasser. On joue Tarzan enfant, mais évidemment, il va grandir. Ça va devenir un bel homme. Musclé. Femme girafe. Pourquoi t'as dit femme girafe, FX? Ah, pour Jane, certainement. Alors que je récupère un fruit. Il ne me servira à rien parce que je n'utilise que les fruits jaunes, finalement. Hop. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, esquive. Moi je suis dans. Moi je suis pacifique cette fois-ci. Je vais essayer de faire une run no kill. Et c'est là que je tombe sur un boss. Oh, des fruits. J'ai failli kill Tarzan. Ah bah yes, il me manque déjà deux lettres. Ça fait 2 minutes qu'on a commencé le niveau. Je l'ai pas tué, je l'ai juste stun. Un éléphant. Vous avez vu la maîtrise quand même. Oh, crise d'adolescence. Parfait. Ça c'est Dramo. MDR. Je veux mon PC pour jouer à mon thème. Ouais. Oula, hop. Esquive. Oh là 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 là, quel talent. Non mais. Un boss, ça déconne pas. C'était un soul like. Ouais, pas vraiment. Et yes, forcément, le toucan de fils de pute.
Et l'autre, c'est un sniper, là. Calme-toi. La grenouille, tout veut ma mort, finalement, dans cette jungle. Mais... comment ça? Comment ça? J'ai pas eu les bananes. Attendez, parce que... Oh, mais non, je peux pas revenir. Ah, bah, yes. Faut passer par en dessous et tout. De la merde. Mais, alors oui, il me ressemble sur la voie, mais je suis bien plus fort que lui. Est-ce que toi, t'as un couteau? Je pense pas, non. Ah, putain, mais... Ah, mais les contrôles pour se retourner, c'est un peu l'enfer, hein, par contre. Mais... Vraiment, c'est improbable. Mais... C'est un truc... Loupé, je pense, ce FX. Ok, bon, j'ai vu la page, mais je la prends pas parce que de toute façon, j'ai dû en louper 1 000 000 environ. Le jeu, c'est récupérer de la vie, mais... La vie n'est pas si facile. Alors que je chope le N. Je m'appelle Arn, maintenant. Mais... Oula. Ah ben, voilà. Il est mort. Il est mouru. Poup. Alors attends, qu'est-ce qu'il se raconte? D'accord. Ça parle de Lord Twitch, hein, finalement. Mais non! Tourne-toi. Bon, où en est l'éléphant? Waouh! Mais non, mais je passe pas là. Il me faut l'éléphant. L'éléphant! Attard! Il s'en bat les couilles. Hein. Et ma quête pour sauver le monde? Pas du tout. Waouh! Mais non, mais... Nique sa mère, j'y vais comme ça, voilà. C'est quand même plus simple. Ah bah yes! Dans le lac au croco. Et il a pas peur, hein, putain. Moi, je tenterai pas, hein. Ça y est, on a rejoint les éléphants. Il est tellement claqué ce jeu, un peu, ouais. Mais, il est pas non plus désagréable. Je veux dire, il est pas... Il y a le fait de se retourner au niveau de la direction qui est un peu rigide. Mais ça va, sinon. Bon, il y a aussi les toucans qui veulent ma mort, mais ça, c'est, je pense que c'est un autre problème. Alors qu'il y a des jeux, c'est vraiment pénible d'y rejouer. Laissez les éléphants, déjà qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux sur Terre. Et si, il y a l'homme. Les chiens et les chats. Alors je m'attends à un gameplay, voilà. Gameplay différent. On dirait Crash Bandicoot. C'est comment la musique Attention. Mais non. Mais c'est la chanson de The Elephant. Ah, c'est pas ça le début? Mais là, quel enfer, je me refais toucher, je meurs. Ah, ça va mieux. Mais dégage! Putain.
insupportables les PNJ, on va dire, sur la route, alors que le checkpoint qui me sera plutôt utile. Ok, yes. Voilà, les esquives. Oula, hop, 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 dégage. Oula, non. Aïe, 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 aïe. Dégage. Oh, j'ai fini le dessin. Parfait. Il me faudrait juste un checkpoint, en fait. Ou la fin du niveau, l'un comme l'autre. Taza. Mon nom est Taza. J'ai vécu dans la jungle. Aïe, 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 aïe. Attention. Oh non, pas eux. Mais non, mais bordel de merde. Ils me prennent en sandwich. Je pense qu'ils veulent ma mort. Ils veulent se servir de moi. Mon prénom est Tazan. Je suis Tazan. Ok. Alors. On dirait le roi lion, surtout sur SNES, tu prends du mode 7, Simba à la place de Tarzan, des gnous à la place des éléphants, et t'as exactement la même chose. Sur pompage, ils ont juste changé le gros. Bah après, les jeux de plateforme à l'époque, genre là, cette phase-là, Crash Bandicoot faisait la même. Les mouvements du personnage, c'est grave pompé sur Donkey Kong Country. Alors après, c'est peut-être parce que... Dans les deux cas, c'est des moves de comment ça s'appelle ? Des moves de singe finalement. Mais abruti. Mais abruti, pourquoi là il fait pas de double saut ? Aïe 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 aïe. Coup dur. Ouais, c'est fini, c'est de la merde. C'est pas grave, c'est un niveau bonus, c'est pas obligatoire. Allez, allez. Tarzan a grandi. Ah bah voilà. Je pense qu'on va faire encore deux missions et on s'arrêtera là. Alors à tout de suite. C'est un toucan, mais non. On aurait dit, je sais pas, une sorte de vautour. Mais après, les vautours dans la jungle, c'est quand même assez rare. Tarzan a grandi comment ça? Ben là, regarde, il a grandi. Il est devenu adulte, quoi. Par contre, il... Ouais, ok. Yes. Ah, mon couteau. Ah, mon couteau. Pourquoi il parle aussi bien? En vrai, il parle pas aussi bien dans... Prends ça. Salope. Couteau! Couteau! On est dans Call of Duty. Hop là! Moi je saute sur les rhinos. Bam! Alors, OMG, par contre, le truc sous son slip, il était voyant sur l'image de chargement. Le truc sous son slip. Alors, je pense que tu fabules. Ça va mieux. Tu as des fantasmes bizarres sur Tarzan. Mais chacun son truc après. Hein. On ne juge pas, évidemment. Mais un peu quand même. Yes. Prends ça, couteau, couteau. Mais bordel de merde. Mais... Je peux pas lancer, si bon. Mais... Dire. Je peux pas... Dégage. Mais j'ai pas le temps.
Je veux juste de quoi me soigner. Mais quel enfer! Yes! Pas du tout. Je veux pas des munitions, je veux de la vie. Genre ça. Ne vous faites pas, ça va bien se passer. J'espère. Bon. Ah, si, voilà. Bon, on va dire qu'il n'y a plus rien. C'est sûrement à l'infini, mais on va dire qu'il n'y a plus rien. Ah, ça aurait dû être bien en descente. Ok. Push. Ah, ça va mieux. Putain, c'était tendu ce que je viens de faire là. J'ai attendu avant de monter sur la liane. Et boum. Une vie en plus. Je suis à 7 vies. Et vous êtes à combien? Ouais, je crois pas que vous êtes à 7 vies. Hein. Ah. Alors d'après FX, ça c'est le feu. Je vous laisse juger. Hein. Et lol. Il y a moyen de s'abaisser. Yes. Mais genre. Sur l'intérêt du jeu. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, je trouve qu'il en a aucun, mais ça va mieux. Les animaux, c'est les ennemis dans le jeu, alors que dans le film, c'est un peu ses alliés. Oui. Bon, en vrai, il doit sûrement y avoir des... Yes. Des trucs cachés ici. Genre un bout de dessin. Waouh, waouh. Wow. Puis les plantes au couteau. Faut manger, hein. Mais lol. Oh ça, bâtard. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va mieux. Prends ça. Ah, j'ai fait une run pacifique juste avant. Hein. C'est... Yes, bah ouais, bah forcément les oiseaux. Hein. Qu'il mange ses bananes pour chercher les animaux qui étaient là avant lui. Tu sais pas. Hein. Ça se trouve, bah, je suis désolé, mais les oiseaux, c'est des immigrés. Hein. Ils migrent partout. Donc ils étaient pas là avant lui, donc il peut manger les oiseaux. C'est QFD. Mais non! La jungle est merveilleuse à cette époque de l'année. Ouais, bah ouais, bah elle est encore mieux sans toi. L'attaque de Sabor. Allez, on avait dit c'est le dernier niveau. On va faire. J'ai pas non plus envie de vous spoiler le jeu, ça serait dommage. Ah, en plus c'est la panthère, Sabor, ok. Mille milliards de mille panthères. Wow, wow. Bah, laisse-moi commencer. Mais wesh. Mais MDR, je suis censé jouer comment? Ok, j'ai trouvé le pattern.
Allez, chais. Ce jeu sera dans mes priorités. Clairement, Tarzan supérieur à Mass Effect. Hein. On va parler franc. Hein. Hop. Hop. Touché. Ah bah yes, je saute comme par hasard, il y a un oiseau à cet endroit-là. Mais il était passé. Quasi mort. Mais nique ta race, bordel de merde. Et je te dis ça en étant gentil. Mettre là, hors de portée. Évidemment, il n'y a pas de truc pour se soigner. Regardez ma vie en bas. Vous la voyez pas, c'est normal. Il a fait un backflip avec son... la cacahuète, là. Ok, checkpoint, c'est déjà ça. Esquive. Par contre, c'est vraiment affreux. Et il faisait ça souvent dans les jeux vidéo. C'est de mettre des... Oula, putain. De mettre des trucs en premier plan. Des arbres ou quoi. C'est chiant. Je ne vois pas... Comment je suis censé faire? Je ne vois pas à travers les arbres. Ça va mieux. Pas à travers le décor. Mais MDR. Pour aller chercher de la vie, j'ai perdu autant. Allez, saute. Plus haut. Allez, plus haut. Ouais, yes. Je dois avouer que ce jeu est super bien abouti et le lore est aux petits oignons. Mais c'est fait que à côté de cette pépite, c'est Fallout 76. C'est pas gentil pour Fallout 76, mais ouais. Bon, il fait quoi? Eh? Putain, mais voilà, il y avait un putain de sage derrière l'arbre. Ah, le game design, hein. Tout un art. Hein. D'ailleurs, les jeux, quand on les fait, faudrait les tester, mais ça, c'est autre chose. Wow, esquive, comme jamais. Je suis pas sur le bon endroit. Hop là. Il me manque que le N et ça serait parfait. Il fait pop des lances comme ça. Je sais pas comment on joue. Voilà, c'est comme ça. Voilà, deux secondes, j'étais un peu... Hop. Mais non, mais l'oiseau, sérieusement. Allez, chier. Il a failli se faire défoncer par l'oiseau, là. Non. Ça va. Ça se passe. Ça se passe. Ça veut dire bien. Non, je suis poursuivi. Putain, mais tends tes bras. Eh, ce dernier niveau ne se laisse pas faire. On le voit, on le voit. Mais MDR. Oh, c'est une grenade à fragmentation. Vous avez vu ça? Il y a plein de petits débris. Ça fait quoi?
Waouh! Un arbre magique. Mais c'est de la merde. Terre fruit. Et le bleu? What? J'ai pas compris. Ah, du coup, j'étais mort juste avant un checkpoint, c'est génial ça. Touché. Drza. Bonjour, je me prénomme Drza. Oula, esquive, hop, hop. Ça va mieux. Parfait. Du coup, c'est ce qui est marrant, c'est que du coup, comme il y a plein de jeux qui sont sortis en 99, vous pouvez un peu comparer les différents jeux facilement. Ça va mieux. C'est-à-dire qu'ils ont un développement plus ou moins similaire en termes de date. En ça. Il y a l'oiseau au-dessus. Oiseau qui fait un bruit d'aigle dans la jungle. Yes. C'est bon, on l'a défoncé. GG. GG à tous. Bon, que pensez de ce jeu? Il est pas foncièrement mauvais. C'est juste qu'il est un peu rigide et il y a du déjà vu quoi. Il y a plein de jeux qui font la même chose. Certains le font en mieux. Du coup, il n'y a pas grand intérêt. Et puis même en termes de lisibilité avec les branches devant, il y a des fruits avec des couleurs différentes, mais on t'explique pas. Ah. Néanmoins, tout n'est pas acheté. Et franchement, franchement c'est cool. Après, par contre, bah là vous voyez, si on regarde le tableau des chapitres. Après ce niveau bonus. S'il veut bien un jour démarrer, ça pour l'abandonner, ça aurait pu être une pépite 18 sur 20. Ah oui, on joue Toc aussi. Alors c'est de la merde. Je supporte pas ce personnage. Et du coup voilà, mais sachez qu'on joue Toc. On ne joue pas que Tarzan. J'esquive volontairement les trucs violets pour que ça se finisse. Aidez-moi, je veux que ça cesse. Pou, 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 pou. Ah, c'était trop bien, yes. Et du coup, voilà. Regardez, on a déjà fait, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. Sur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur 13. On a fait quasiment la moitié. Il faudrait faire la moitié de ce niveau-là pour faire la moitié. Donc, bah, le jeu est pas super long. Mais il y a pas mal de collectibles et du coup si on veut le faire à 100% il y a un peu de challenge. Après bon après oui, y rejouer maintenant c'est pas vraiment utile. Quitte à jouer un jeu de plateforme de l'époque qui a des mécaniques un peu similaires, autant jouer à Crash Bandicoot. Dans Crash c'est de la plateforme un peu pareil. Il y a des niveaux où on se fait poursuivre comme avec les éléphants. Il y a à la place des trucs de glisse, il y a des comment ça s'appelle, les trucs avec Coco là dans le 2 et 3 où on est sur Pura ou alors Polar avec Crash et on doit esquiver des trucs. Bref, c'est plus abouti, c'est plus complet. En plus il y a un remake sur PS4 donc Crash est mieux comparé, même à l'époque. Et du coup, en soi, ce jeu n'a pas grand intérêt. Mais pour autant, à l'époque, il faisait le taf. C'était un bon substitut. Et après, c'est dans l'univers de Tarzan, un univers Disney. Les gens peuvent aimer. Moi, le problème, c'est que Disney, ça me touche pas. Donc le jeu part avec forcément des points en moins.
Bref, je vais vous, enfin, je vais dire, je vais vous arrêter là. Non, je vais m'arrêter là. Mais voilà, si vous voulez, comme d'habitude, vous pouvez le tester sur Rome Station. De toute façon, tous les jeux que je teste quasiment sont faisables sur Rome Station. Il reste encore quelques jeux PS1, hein, vous en faites pas, il y a encore de la marge avant qu'on ait fini. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous la bonne soirée. Et on se retrouve très vite. Des bisous.